trouvé tôt ce matin. Il travaillait dans son jardin. C'est un voisin qui l'a remarqué au fond du champ, encore mouillé. Il était trop tard, il était mort. Ce vieux monsieur travaillait fort. On le connaissait pas trop bien. Il restait seul dans son petit coin. Le vieux monsieur au bout du chemin. Pendant ces choses, on a fouillé son portefeuille tout défilé. A révélé des photos toutes déchirées. D'enfant, tout est passé. On a appelé le fils aîné. C'est un avocat dans la cité. Ses deux autres enfants étaient disparus. Mais eux n'étaient jamais revenus. Quelques jours, il était arrivé. Toutes les choses avaient fouillé dans les mémoires de son vieux père. Le vieux monsieur, l'octogénaire. Le vieux monsieur. C'était évident. Il avait tout caché à ses enfants. Il avait déjà été marié. Mais elle l'avait abandonné. Peu des semaines, tout fut vidé. Tout doucement regardant dedans, il trouva la lettre venant d'Adam. Les mots qui lui avaient été donnés par cette fille qu'il avait toujours aimée. Les mots écrits presque effacés. Je t'aimerai pour l'éternité. Tant dans la vie, elle nous guidera. Nous marchons ensemble, juste toi et moi. Le vieux monsieur, au bout du chemin. Pensée sans révéler, c'était la sienne, c'est tant aimé. Fils aîné du bout de son doigt,
Monsieur